Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Monster Hunter World sur PS4. On va tout de suite continuer en parlant Captain de la troisième. Et on y va pour le Val Putride. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que oui. Et on va voir la cinématique du coup. Bon, ça prend toujours un peu de temps, mais bon. La PS4, hein, pas du PC. L'un des principaux défauts du jeu PS4. C'est magnifique! Des raffinos? Ça plane pour eux! Alors, à quoi ressemble le fond du Val Putride? Difficile à dire. Nous avons des informations, mais ce ne sont que de simples faits. Nous sommes encore loin d'avoir découvert la vérité. Le Zora Magdaros se dirige là-bas. Mais pourquoi? Ce monde regorge de mystères, tu sais. Oui, et de délicieux plats à dévorer. Hé, je crois qu'il y a quelque chose là-bas. Nous allons nous poser. Ah, ou pas. C'est bien ce que je pensais. Terrain de chasse. Nous devons nous replier. Ok, donc on va s'occuper de lui. Hé, hey, partenaire! Restons sur nos gardes. De toute façon, on a rien d'autre bloqué, je pense, mais... Et sur le Guyanard. On va s'en occuper. La valise de connexion. Ok. C'est quoi le cadeau de célébration? Comment on l'a? Je sais pas, tant pis. Le
Donc ça charge. Et on va le chasser. Bon, comme d'hab, essayer de le capturer. Hein. Mais il a l'air d'être agile, le Legana. Si ça... Il faut se débarrasser de cette wyverne pour pouvoir voler jusqu'en bas. Ce monstre risque encore d'attaquer le dirigeable si on n'intervient pas. Alors, quelles sont mes quêtes d'intendance? Carcasse, insecte, insecte. Ok, d'accord. Hop. J'ai besoin des œufs de cette zone, donc ça tombe très bien. C'est pas la petite zone que je veux, mais d'après la zone, je sais où il est. Je passe en même temps par là pour voir des insectes. Par exemple celui-ci, hop, c'est... carcasse par là-bas. En plus, j'ai pas vu que j'avais pas de. Et bah, du coup, il faut que j'y aille prendre. Allez, on va prendre la cuisine. C'est juste la vie qui m'intéresse, le petit bonus pour le moment n'est pas très intéressant, donc on va faire ça. Alors où se trouve ce Legiana? Ah, il doit être par là-bas. Riffer ou ça? Si. C'est lumineux donc je vois pas trop la zone. Et donc là-haut. Oh, une zone secrète. Le cache-t-elle? Stylé la zone. Hmm.
Bon, j'explore, j'explore en même temps. Je descendais pas aussi haut. Je savais pas qu'il pouvait avoir une zone ici, tiens. On apprend des choses. Ah, de la montre encore en plus. Mais c'est bon, pas besoin de ton. Ton focus. C'est le monstre que l'on cherche. Il domine littéralement cette zone. Oh, voici désolé. Tiens, on peut y retourner. Encore en haut. Allez. Ah non, sérieux. Au glace. T'as rien, moi. Aux glaces, ah, faut juste attendre maintenant. Ah merde, ça fait chier par contre. C'est vraiment beaucoup chier. Tout va bien? En cas de coup dur, utilise ta fusée d'alerte pour appeler d'autres chasseurs à l'aide. Pardon. Ouais. Pas trop haut là-bas. Bon, je redescends. On va monter par là, sans perdre.
Je suis pas chaud là. Je suis pas chaud. Il est plutôt difficile à affronter, hein, c'est vrai. Reviens ici. Reviens l'endroit. Ouais, toujours pas, donc je peux pas le capturer. Hop. Chut, je vais mourir encore une fois. Il est en mode froid. Est-ce qu'en roulant ça fait des choses ou pas? Non, c'est pas en roulant. En courant peut-être? Non. Non, 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 surtout pas. Oh là là, vas-y quoi. Fusil de très salé. Ah, il arrête pas. Le savoir est la meilleure arme du chasseur. Pense à te renseigner sur tous les monstres en consultant le bestiaire. Je ferai ça. Attends, je suis en stuff plutôt bon, mais je me fais défoncer. Hein. Lui, il va me poser problème pour le farmer si je dois le farmer. Okay. Oh. Reste là, reste là, reste là, reste là. C'est bien. Déjà, sérieusement. Ah, c'est mort. C'est un échec. Il
putain. Saleté de pierre. Non mais c'est bien trop dangereux ça. Et ça il est bien trop fort. Faut rien faire. Hein. Juste pour rien. C'est mort. Heureusement qu'il a fait. Bon, bestiaire. Mon podium bestiaire, qu'est-ce que j'ai sur lui? Il est juste là, d'accord. On va bien pouvoir l'avoir cette fois-ci. Ok, what's nice. Donc il est tout en haut, c'est ça. Dans son lit. Ok, ok. On va monter, hein. Sérieux? Putain. Allez, mais sérieux? Super. Maintenant, on va aller tout en bas du Valkyrie. Oh la blague. Un peu du temps. Bon, j'ai gaspillé certaines choses, pas grave. Voilà. Minutes, c'est normal, vous inquiétez pas. RC, hop. Oh, nice. On peut améliorer en plus les armures maintenant. On va voir ça tout de suite. Hein. On va voir ça tout de suite. C'est incroyable. L'heure est venue. Descendons au fond du val. Pas tout de suite, pas tout de suite. Sois pas si pressé, voyons.
Ah, il faut que je me refasse en piège là. Miel, ça c'est une viande? C'est de la ration, ok. Encore. Donc ici, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Plus récolte. Ah, celui-là. D'ailleurs, Stuff Nergy a été plus de fou. Alors, juste avant, je regardais sur PlayStation Store, il y a un truc qu'on peut récupérer, je crois. On va regarder ça. On va check it out. Ah non, il n'y a pas. Ouais, non, désolé, pas tout de suite. Alors, avant de lui parler, on va aller faire un tour à la forge. On va avoir besoin d'avoir un bon stuff. Vous comprendrez pourquoi une fois qu'on aura commencé la quête. Ok, donc on sait qu'à la fin j'ai quelque chose. Bien joué. Purificateur. Tu veux fabriquer quelque chose? Niveau armure. Stuff Gianna a l'air stylé. Ouais. On va attendre le prochain stuff. Ce sera du coup de rater les 4 pardon. Inconnu, inconnu, bien sûr. On se montre. On touche pas. Il en faut 6 pour monter stuff. Ok. Je suis 30, ouais, ça va. Ça peut aller. Ou soit tu charges des mises à jour. Attends, fais pas attention. Qu'on gagne 8 x 5, on gagne 40 de défense quand même. Hein. C'est vraiment pas mauvais.
Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah oui, il y en a d'autres. Donc, un pote de la cinquième, donc c'est une nouvelle quête. Bonne chance. Crevette royale. J'ai vu, t'inquiète. Hop. Alors, attendez un petit instant, je reviens. Oui, me revoici. Rituel des anciens. Qu'est-ce que c'est que ça? L'alchimiste. On verra s'il y a des choses intéressantes. Oh, pas facile. Oh, ok. Ok, d'accord. Hey. Alors, toi. Ok. Alors, on va faire déjà. Donc, je vais vite faire les quêtes qu'il y a. C'est du 5 étoiles juste pour le Yana. Ok. Ok, ok, bon, on va continuer. Hein. On a un peu mieux stuff là, du coup. C'est beau donc. C'est le moment. C'est parti. Peut-être monter ses 10, hein, qui sait. Il doit forcément y avoir des traces du Zora Magdaros quelque part par ici. Je crois que je commence à comprendre ce qu'est le Val Putride. Ça augmente la vie, d'accord.
Alors on est où là? C'est quoi ça? Tout au bout. Carcasse. Quoi, une carcasse ou ça? Bah, ok. C'est dégueu, dégueu cette donne. Ok. Alors, par là-bas. Passer par là. On peut pas, très bien. D'accord, c'est pour se déplacer. Pas bien, très bien. Le tour de la zone en profondeur. Pas sûr que la suite. Si je passe par là, c'est l'endroit pour remonter. Logique. Si c'est là. Ok. Donc après, il n'y a plus autant de zones que ça à découvrir. Clairement. Il n'y en aura pas beaucoup. Je crois qu'il reste deux. Peut-être même une seule. Alors vous aurez bien. Vous verrez bien. Oh, il arrive. Sign. Regarde. Là. Regarde. Oui, attends.
Vendons ta petite. On n'est pas pressé. Vitalis. Ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oh, elle fait mal. Pourquoi elle fait mal cette eau? C'est de l'acide. On regarde la zone là. Ok, de toute façon il reste plus qu'un seul endroit à visiter. Il faut y aller. Ah oui, bah celui-là il sert. Bon. T'as le grand écofact, hein. On doit être tout en bas du Val. Mais où est passé le Zora Magdaros? Il n'a nulle part où aller. Je crois qu'on ferait mieux de se séparer. L'eau de garde. Moi j'ai un stuff OP hein. Bon je sais, ce serait méga mal. Faut pas aller trop vite pour lui. Thank you.
concentrer les mains. On sait qu'on va chasser plutôt ça. Hein. C'est chiant ça. Par contre, allez, allez, vite, vite, viens. Pêche, dépêche, dépêche. Voilà.
Et voilà. Où est-ce qu'elle est? Pourquoi elle n'est pas avec toi? Je retourne la chercher. Pas la peine. Vous êtes en vie? Oh, j'étais tellement inquiète. C'est bon, Anne, tout va bien, tout va bien. L'essentiel, c'est que vous n'ayez rien. Merci. Je pensais rester cachée jusqu'à son départ, mais bon, vous m'avez évité cette peine. Allons, allons, ne pleure plus. On avait un accord, vous vous souvenez? Vous en savez plus sur cette vallée? Alors dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Je pense que les monstres rejoignent le Val Putride pour y mourir. C'est leur cimetière et toute la région est un vaste écosystème qui gravite autour. Bon. Suivez-moi. Vous avez vu juste. C'est ici que les monstres viennent rendre leur dernier soupir. Lorsqu'ils sentent la fin venir, ils se mettent en route. Leurs carcasses se décomposent et nourrissent le plateau de corail. De la mort s'épanouit une vie nouvelle. Une vie qui, à la fin de son cycle, regagne le Val pour y périr à son tour. Cet écosystème est incroyable. Il surpasse de loin tout ce que j'ai vu jusqu'ici. Oui. Cependant, vous êtes-vous posé la plus importante des questions? Laquelle? Qui est à l'origine de tout ça? Quel monstre serait capable de nourrir un milieu aussi riche? Pourquoi les dragons anciens entament la traversée? Vous avez deviné? Vous voulez dire que... Oui, cet endroit est le cimetière des dragons anciens. C'est ici que le Zora Magdaros trouvera le repos éternel. Enfin, normalement, tout nous mène ici, mais le Zora est introuvable. Il avait accumulé énormément d'énergie. A-t-il essayé de la libérer quelque part? J'en sais rien. Mais j'ai une idée. Les anciens Wyveriens vivent ici depuis bien plus longtemps que nous. Allez les trouver. Regardez, des flocons de vie. Seulement je pouvais vivre 3 siècles de plus. Alors peut-être que ce serait suffisant pour assister à la fin de ce cycle. Mes amis, continuez sans moi. Je vais rester là un peu plus longtemps. Voir ce que la mort a à offrir et la vie à apporter. Ok. Très bien.
Alors... Tu peux y arriver. Les anciens Weaveriens sauront peut-être nous dire où se trouve le Zora Magdaros. Ok. Parle à ta pompe. Hey. Hop, tout là-bas. Content de te voir. Bonne chance. Alors. Ok, et de l'autre côté maintenant. J'ai de nouveaux articles en stock. Cette armure est très stylée. Alors attendez. Alors bateau de Jutsu, qu'est-ce que c'est? Bateau de Jutsu. Nice. Ça c'est trop. Ça va être trop stylé. Tâche de bête. Alors attendez. De toute façon. Attendez, je vais crafter une bonne paire. Caron. Ça va. Pas non. Ikadachi. Des os de train. Est-ce que je forge déjà l'arme?
Allez, go. Donc ça, il me faut encore une grille. Combien de tendons il me faut? Encore 4, 6. Ouais, il me faut beaucoup. Hein. Chaud. Bon, je vais passer mon temps à le fermer celui-là. Ok. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime sur vous abonner à la chaîne. Et à la prochaine image. Passez une bonne journée. Soirée. Et je vous dis au revoir.